Bonjour. C'est un homme aujourd'hui qu'on a filmé, qu'on a mis sur les réseaux sociaux et que d'autres sont en train de rigoler de cet homme-là. Mais si c'était une femme qu'on avait filmée, c'était un boom, c'était un bruit. Tout le monde allait sortir de part et d'autre pour dire non, que ce n'est pas normal. Ce qui se passe là, ce n'est pas normal. Pourquoi on filme la dame? Pourquoi tu mets la nudité de la dame dehors? Pourquoi? Ainsi de suite, les gens allaient parler, bavarder, dire du n'importe quoi. Mais c'est un homme aujourd'hui. C'est un homme qu'ils ont filmé, qu'ils ont mis dehors. C'est un homme qui sont en train de bafouer sa dignité. C'est un homme qu'on est en train d'insulter. C'est un homme qu'on est en train de se moquer de ses parties intimes et surtout de se croire. Quand j'entends les femmes, et ce sont ces femmes-là qui sont en train de rigoler de cet homme-là. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, sécurisez. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. J'espère que vous allez bien. Je prends mon truc. Oh. Les gens vont sortir là. Allô? Bien. Oui, ma fille aime la révélation. Bisous, bisous aussi. Bisous à toi. Excusez-moi, j'ai pris en lutte. Hop, c'est bon. Richard Aka, bonjour. Donc, je continue dans mon allocution. Il va me blesser. Dans mon allocution. Je continue dans mon allocution en disant que, voilà, aujourd'hui, on a vu un monsieur camerounais qui est, comment on appelle, qui s'est retrouvé là actuellement sur les réseaux sociaux avec ses parties intimes filmées par une dame. Et puis, elle a posté ça. Et quand elle a posté, on voit sur les réseaux, on voit un peu partout. Les gens sont en train de se moquer de ce monsieur-là. Les gens sont en train de partager, ça rigole. Ça rigole et ça rigole, ainsi de suite. Vous voyez, le thé va faire ressortir les mots du « je te jure ». Moi, je me suis levée ce matin, vous voyez, et je vais prendre un thé chaud. Le thé là, ça va faire ressortir les mots du « franchement ». Ça va faire ressortir les mots du « donc, le monsieur, on est en train de l'afficher. Les gens sont en train de rigoler. Mais je vous pose la question, si c'était une femme ici, le monsieur que vous montrez, d'après vous, c'est un kikinette. Quand il est joli, grand, beau, bel homme, mais il a kikinette. Donc les femmes sont en train de rigoler comme ça. Oh, il a kikinette, oh, il a kikinette, oh, il a kikinette, oh. C'est enfant de quelqu'un. C'est enfant de quelqu'un. Ça peut être ton garçon. Ça peut être mon garçon. Ça peut être ton frère. Ça peut être ton père. Ça peut être ton cousin. Ça peut être tout en même temps. Oui, qu'on affiche comme ça. On ne doit pas accepter ça. On ne doit pas acclamer ça. On ne doit pas être content de ça. Parce que de la même manière que nous disons, oui, non à l'intimité, non à la vie privée du corps d'un être humain, c'est comme ça qu'on doit dire non. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, que ce soit un enfant, que ce soit tout, on doit dire non à ça. On ne doit pas acclamer ça parce que c'est vilain à voir. C'est vilain à voir. C'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. C'est quelque chose qu'on ne peut pas adhérer à ça. Ma chérie, je suis désolée. Oui. Quand vous êtes là, vous dites non que le monsieur a kikinette. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Sécurisez. Le monsieur a kikinette. Le monsieur a fini de faire son bar, il a fini de travailler. Kiki qui est là. Depuis quand Kiki qui est couché? Kiki qui est fatigué. Il rentre se reposer doigt dans son coin. Dans son enveloppe revue. Il rentre doigt. Il a fini tout. Il a déjà fait son travail. Pourquoi il va rester là tout au dehors? Il a quel problème? Le kiki qui est là, que vous voyez là, c'est quelqu'un quand tu ne l'as pas provoqué, quand tu ne l'as pas touché, quand il n'est pas dans la sensation forte, il ne sort pas, il rentre pour.
Il a fini de travailler, il est rentré, il a laissé reposer. Il dort, vous partez filmer le Kiki. Vous venez dire que non, que vous venez dire que non, que Kiki qui est là, ses petits sont où? Kiki est petit où? Richard Aka, voilà ça, hein? Non, mais c'est la vérité. C'est la vérité, je ne comprends pas. Depuis que vous voyez, quand vous voyez les hommes en train de se promener là, vous voyez un homme qui est en pantalon, qui est arrêté où? Vous avez vu Kiki balèze qui est là? Un Kiki qui sort dans son enveloppe. Un Kiki qui sort dans son enveloppe, qui vient s'arrêter dans un pantalon, c'est un Kiki qui n'est pas normal. C'est un Kiki qui ne se respecte pas. C'est un Kiki qui sort à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, à n'importe quelle circonstance. Parce que Kiki qui est là, il doit rester tranquille dans son coin. Même dans le pantalon, on ne doit pas le voir. On doit voir qu'il y a quelque chose qui est là. On doit voir qu'il y a quelque chose qui est là, mais on ne doit pas le voir où, au dehors. On ne doit pas le voir comme ça. Visuellement, ce n'est pas joli. Ce n'est pas beau. Ce n'est pas magnifique. Ce n'est pas intéressant. Un homme arrêté avec un Kiki. Merci, ma chérie. Donc, je suis désolé. On dit connexion lente. Mettez les cœurs. Ben, je suis venu parler. Oui. Aujourd'hui, je suis désolé que vous traitez les hommes. Petit Kiki. Kiki qui est là, son travail. Son travail n'a pas besoin. Il n'a pas besoin d'être gros pour travailler. Il n'a pas besoin d'avoir une proportion dimensionnelle, largesime, longuesime, pour pouvoir travailler. Un Kiki moyen, un Kiki petit, un Kiki qui sait faire son travail, c'est un Kiki qu'on doit respecter. Ce n'est pas la largeur, ni la taille, ni la proportion du Kiki qui fait l'histoire du travaillement du Kiki. Il peut avoir un petit Kiki, mais le Kiki fait un travail de fond. Déjà même le Kiki, même c'est quelque chose, même... Non, laissez le monsieur là tranquille. Laissez le monsieur tranquille. Il a fini de travailler. Il est fatigué. Il s'est couché doucement. Kiki qui est là, Kiki aussi a besoin de se reposer. Donc le Kiki est rentré tranquillement. Il allait se reposer là-bas calmement. Vous le filmez. Vous filmez le Kiki, non, il a un petit Kiki. De quoi parle-t-elle? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Il a un petit Kiki. Regardez, son Kiki est petit. Donc vous, c'est tout ce qui est gros qui est beau. C'est tout ce qui est balèze qui travaille. Il y a des gens qui ont des petits, les petits moyens, minimes, mais ils savent l'utiliser. Ils savent envoyer les femmes au paroxysme. Dans la finition de l'histoire, le Kiki n'est pas le maître principal des rapports. Je vais vous faire la leçon. Je vais vous faire la leçon parce que vous venez humilier enfants d'autrui. Vous venez humilier les hommes. Et je vois les femmes voilà, applaudir. Moi, je n'applaudis pas ça, je suis désolé. De la même manière qu'on refuse, d'exposer la nudité d'une femme sur les réseaux sociaux, c'est la même manière avec toute l'énergie que j'ai et que je dis non à la nudité d'un homme sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle Lys, l'épouse du père. C'est quand ça remplit que c'est bon. Ok, d'accord. On va en physiologique. Ça pas lisse. C'est quand ça remplit que c'est bon. Excuse-moi, ma chérie. Excuse-moi, ma personne. Excuse-moi, celle-même qui vient à chaque fois commenter sur mes pages. Celle-même qui aime la madre. Ça pas lisse. Quand ça remplit, c'est bon. Faut pas faire, ils vont nous insulter. Faut pas faire, ils vont insulter les femmes. Pour dire que si tu aimerais que ça remplisse, que ça soit bon, il faut aller faire aussi pour toi, va être petit. Dans la vie, là, sachons parler. Comment ça se fait que pour lui, là, ça ne peut pas rentrer chez toi, puis tu veux que tu dis que quand ça remplit, pourquoi pour toi aussi, ça ne sert pas, n'allait pas te répondre. Tu penses que la mère n'allait pas te donner la réponse. Tu vas faire, ils vont nous regarder, ils vont dire que non, pour eux, là, c'est bien, c'est normal, mais c'est pour toi qui n'est pas normal. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Tu as dit qu'il t'a manqué de respect. Tu as dit que tu es insulté. Tu as dit qu'il n'est pas bien. Oui. Toi, tu trouves que pour lui, il est petit. Mais est-ce que ce n'est pas parce que pour toi aussi, il est boulevard? Oui, on va dire les mots. Ben oui, vous aimez frustrer les hommes. Je ne suis pas d'accord. Vous aimez frustrer les hommes. Je suis désolé de vous le dire. Désolé. Je dis que le Kiki qui est là, son travail, c'est à la fin. Le Kiki, son travail, c'est à la fin. Donc arrêtez d'insulter ce monsieur. Arrêtez de traiter ce monsieur n'importe comment. Arrêtez. Attends, je vais épingler
Voilà, j'ai épinglé Véronique. Merci. Mettez le cœur. Arrêtez d'offenser ce monsieur. Arrêtez de minimiser ce monsieur. Arrêtez de minimiser tous les hommes. La reine des Bissa officielle, ma fille, la madre, faut pas rire. Faut pas rire. Je suis désolé. Vous n'avez pas remarqué? À chaque fois, vous insultez les hommes. Vous les frustrez. Nous, on a des garçons. Nous, on a des frères. Nous, on a des cousins. Nous, on a des hommes ici. Oui. Comblez simplement. Je n'aime pas faire la thématique du côté sexuel parce que dans ce côté-là, je suis vraiment très timide. Je suis très réservé. Mais pour vous dire, vous voulez celui qui a un balèze anaconda. Celui qui utilise un balèze anaconda, c'est celui qui ne sait pas faire ce qu'on appelle les rapports. Un gros anaconda ne sert à rien dans les rapports sexuels. Un gros anaconda blesse. Un gros anaconda détruit le corps humain de la femme. On n'a pas dit que aussi ça doit être comme ça. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis un kiki. Au repos, c'est normal qu'il soit petit. Un kiki qui n'est pas en travaillement, c'est normal qu'il soit minime. Un kiki qu'on n'a pas touché pour que ça sorte. Il sort pour venir régler le problème. C'est ça. Un kiki, il dort. Et quand il dort, il dort. Mais quand tu le touches, c'est là que tu montres qu'il sort de tout son corps. Et puis il vient faire son travail. Et puis il rentre. C'est ça. Donc arrêtez d'insulter ce monsieur-là. Arrêtez de le traiter de n'importe quoi. Arrêtez de manquer de respect aux hommes. Oui, parce que quand vous manquez de respect aux hommes, vous manquez de respect aux femmes qui sont à côté. Quand vous traitez les hommes de petits kiki, les hommes vont traiter aussi que les femmes de boulevard, la tri. Et vous allez dire qu'on manque de respect. Il y a d'autres manières de prendre le pied. Il y a d'autres manières, il y a des gens. Il y a des gens, il y a des femmes qui ne sont pas que pilons. Il y a des femmes qui sont du côté, on va parler du préliminaire. Quand tu as bien touché le préliminaire, quand tu l'as envoyé au septième ciel, si tu veux pas utiliser le kikio, tu veux pas utiliser le kikio, elle s'en gaba de ça. Vous voulez qu'on fasse, vous voulez qu'on parle? Oui, ça m'a énervé hier. Ça m'a énervé hier, vous avez manqué de respect à tous les hommes. Vous avez manqué de respect à ce joli monsieur-là, à ce bel homme, ce magnifique, qui a croisé une sorcière sur la route, qui a croisé une qui n'est pas satisfaite. Ma chérie, quand on aime quelqu'un, on l'aime avec toutes ses qualités. On l'aime avec tous ses défauts. Oui, et puis on montre à la personne là que je t'aime. Hein. Mais moi, j'aimerais que tu me fasses comme ça. Tu ne vas pas juger. Parce que quand lui, il va t'aimer avec tes défauts. Il va t'aimer avec ton genre. Quel que soit ce que tu vas être, il va essayer de faire de telle sorte que vous soyez heureux. Merci, ma fille ML Révélation. Merci, ma fille ML Révélation. C'est la manière d'utiliser qui fera la différence. La manière d'utiliser. La manière de faire. Mais vous voulez le gros... André Michel Ya, trop beau le mec. Toutes celles qui le traitent de kikinesse sont fans de lui. Vous êtes fan de lui? Vous êtes fan de lui? Vous êtes trop fan de lui? Hey! Kono kikinesse. Non, vous voulez pas Anaconda? Vous voulez les balèzes qu'on a touchés, on n'a pas touché, on n'a rien fait, mais qui sont là comme ça pour devant là. C'est ce que vous voulez? Des choses où les gens marchent avec et puis c'est là comme ça. Vous êtes quoi? Vous avez quoi? Vous êtes, faut pas y parler. Je veux peser mes mots. Diaby divine, ange. Oh, ma chouchou, non, je n'ai pas reçu. Tu n'as pas reçu la notification. C'est Facebook. Oh. Deux jours, ils ont fini un mois ici. Il n'y a pas de notification. Mais c'est pas grave. Bonne arrivée. Je suis en train de parler aux femmes. Parce que nous avons des frères. Nous avons des enfants. Nous avons des fils. On n'aimerait pas que, à notre grande surprise, on assiste ici, toi. Et puis une qui est insatisfaite, une qui ne sait pas ce que l'amour, c'est vrai. Les rapports sexuels font partie de l'amour. Mais il y a des gens là, souvent même là, je vais dire, il y a des gens, mais souvent ils ne bandent pas. Ils ne bandent pas. Oui. Mais il y a des gens là,
de la manière que le monsieur a fait là. Quand tu dis ouais, elle préfère, il y a des accessoires partout, partout, partout. Et puis elle gamba de sa part. Tu es arrivé, tu as dépassé. Ça dit, mais si on t'a appelé pour dire que même ton papa était déjà là-bas, où tu es là, tu es loin d'abord. Tu es arrivé là-bas, tu vas arriver même là-bas, tu es loin. C'est quand ton esprit va arriver que tu arrives. Hein, qui est déjà ici? Vous parlez de quoi? Vous traitez les hommes. Vous traitez les hommes, vous les minimisez, ils ont petit, ils ont petit. Quand ils vont venir vous dire que vous avez boulevard, vous allez vous énerver. Quand ils vont venir vous dire que c'est vous qui avez boulevard. Gabine Emmanuel, Anaconda ne peut pas donner plaisir, ça détruit intérieur. Qui n'aide mon combat. Ah, merci. Merci. Moi, ce n'est même pas une histoire de qui n'aide mon combat, c'est une histoire de d'insulter à chaque fois les hommes, au fait que je ne comprends pas. Et quand vous traitez ces hommes-là, personne ne parle, ça ne choque personne. Vous êtes. Tu regardes sur Facebook, c'est tranquille, mais si c'était une femme. Si c'était une femme qu'on avait exposée comme ça, mon Dieu, bon sang de bon Dieu. Si c'était une femme qu'on avait exposée comme ça, wouhou, Facebook allait prendre feu. Facebook allait prendre feu. Moi-même, j'allais m'arrêter comme ça, trembler de partout. Moi-même, j'allais insulter le monsieur là. J'allais insulter la personne, insulter jusqu'à en dépasser. Aujourd'hui, toi, une fille, il t'a fait quoi? Dis-nous, peut-être qu'il t'a fait un truc que nous-mêmes, on n'est pas au courant. Dis-nous. On ne publie pas la nudité de quelqu'un sur les réseaux sociaux. On ne publie pas, que ce soit une femme, que ce soit un enfant, que ce soit un homme, on ne publie pas la nudité de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Les femmes, vous passez votre temps à dénigrer les hommes. Vous n'avez pas de frères. Vous n'avez pas d'enfants garçons. Vous n'avez pas de cousins. De quoi parle le test? Pourquoi vous passez votre temps à dénigrer les hommes comme ça? Un homme qui dénonce, ça dit, un homme qui déconne, on lui dit son vrai nom, ce qui est logique. Evie Georges Solange, Amani, comment tu vas? La papato numéro 1 de la madre. Comment tu vas? Un homme qui dénigre la femme, on va venir lui dire qu'il n'a pas raison. On doit venir lui dire qu'ils sont maudits à matin, midi, soir. Mais et la femme qui dénigre l'homme, et la femme qui expose la nudité, et la femme qui insulte l'homme de Kikinet. Pourquoi vous acceptez ça? Pourquoi nous les femmes on va accepter tout ça? Pourquoi les féministes? Je dois dire que non, ça ne se fait pas. Je ne vais pas fermer l'œil sur ça, c'est impossible. C'est pas gentil. Et tu vois le commentaire, il a kikinette. Donc vous les femmes, c'est-à-dire que vous, le monsieur a fini de travailler à son troisième pied. Il a fini de donner de la jouissance avec son troisième pied. Peut-être il a fait 2 coups, 3 coups, 4 coups. Ou son troisième pied est fatigué. Son troisième pied rentre pour aller se reposer. Il rentre tranquille pour se reposer. Il est couché droit. Quelqu'un filme. Pourquoi n'a pas filmé où il était prêt? Pourquoi n'a pas filmé où le troisième pied est sorti de sa cachette? Madame, fallait nous filmer ça. Oui, fallait nous filmer ça. Il fallait nous filmer quand le troisième pied est en train de travailler. Oui, faut pas filmer quand le troisième pied est fatigué. Quand toi tu es fatigué, tu dors pas. Le troisième pied a travaillé. Le troisième pied a besoin de se reposer. Quand le troisième pied doit se reposer, il rentre. Tu n'es pas au courant. Il rentre. Il va se... On appelle ça érection qui ne descend pas. On les envoie à l'hôpital. On va les soigner. Ce n'est pas normal. Vous êtes au courant? Les dames qui rigolent là. Les dames qui rigolent pour dire que non, c'est petit là. Est-ce que vous êtes au courant que quand le troisième pied ne rentre pas pour aller se cacher là, et puis il est au dehors comme ça là, vous savez qu'on soulève la personne là pour dire non, qu'il n'est pas normal.
que l'érection là ne descend pas. De quoi parle le texte même? Vous êtes ignorante aussi. Hein? Vous êtes ignorante, hein? C'est dommage, hein? C'est vraiment dommage. C'est comme, je vais prendre un exemple. Colette Boa, le blogueur camerounais s'acharne sur les sujets ivoiriens. En voilà un, il ne parle pas de ça. Mon cher, c'est encore du bac, c'est chic. Si c'était ivoirien, oh, ils allaient sauter ça comme ça. Si c'était ivoirien, ils allaient sauter ça comme ça. Vous êtes ignorant ou quoi? Ou bien ignorante? Vous êtes ignorante ou quoi? Le troisième pied ne reste pas dehors comme ça. Arrêtez d'humilier ce monsieur-là. Arrêtez de le dénigrer. Arrêtez de vous moquer de lui. Peut-être, je vais aller dans le sens qu'il est malade, peut-être. Ou peut-être pas. Peut-être. De quoi parle le texte? Je vois ici l'appétit qui guinette. Vous, c'est bois qu'on doit prendre pour vous. Voilà, pour utiliser, pour que vous soyez satisfaite ou quoi. On doit vous utiliser avec des bois. Vous ne savez pas qu'arrivé un moment là, on a besoin même que ça... Que... Marie-Ange, bonjour là-bas. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire, même paix, même mais je te parle. Laissez l'homme en paix. Quand il a kikinette, il a kikinette. C'est petit. C'est petit, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Moister, je ne sais pas comment dire, Moister, bonjour. Vous n'avez pas honte, l'appétit kikinette. Et puis tu vois, hey, c'est petit, oh. C'est petit, oh. Ma chérie, si c'est petit, c'est que c'est pour toi qui est boulevard. Il y a des femmes ici. Il y a des femmes ici, c'est petit comme ça. Mais quand elles commencent, quand elles sont mouillées partout là, ça devient boulevard. Mais c'est ça l'être humain. C'est ça le corps humain. C'est ça le corps humain. C'est pareil aussi pour l'homme. Quand il finit là, ça s'en va se coucher. Réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu dans votre tête là. Arrêtez de manquer de respect à tout bout de champ, n'importe qui. Prenez votre cerveau puis réfléchissez. Arrêtez de filmer les gens pour les déposer. On te filme. Et puis te dépose sur les réseaux. Est-ce qu'on allait accepter? On allait se lever comme un seul homme pour dire non à ça. On allait dire pas du tout. Mais quand toi tu filmes ton camarade qui a fini de travailler, qui a fini de faire son boulot, où le troisième pied est fatigué, le troisième pied allait se coucher, parce qu'il a sorti tout ce qu'il devait sortir. C'est là maintenant que tu as le courage de filmer. Il fallait filmer quand c'était déjà au paroxysme. Quand c'était déjà sorti dans sa boîte, il fallait filmer ça, on allait voir. Pourquoi tu es mauvaise comme ça? Tu filmes quand c'est fini, parce que tu sais que si tu as filmé, au moment où ça sortait, beaucoup de femmes allaient courir derrière lui. Tu gardes ça pourquoi? Tu es mauvaise. Tu filmes la partie là où c'est fini. Il faut filmer où ça va commencer. Maïchou Sila, mon bonjour de paix sur toi, sois béni. Merci. Il fallait filmer pour montrer à tout le monde ici là. Fallait filmer quand ça avait commencé là. Nous tous on allait voir. Pourquoi c'est à la fin? Où c'est fatigué là, puis tu filmes. Et puis tu mets ça sur les réseaux. Le gars est fatigué, il est couché. Yvi, merci la madre. Merci. Marie-Ange, non, mais c'est la vérité, il fallait qu'elle filme la partie là. Où ça sortait là? Là, elle filmait, là, on est, donc c'est comme ça, c'est des sorcières ambulances, des méchantes personnes qui se promènent partout. Ou bien on t'a payé pour détruire la personne, on t'a donné de l'argent pour dire que non, quand tu vas, ou bien c'est un coup monté, quelqu'un le guettait en bas. Il y a quelqu'un qui le guettait, je ne comprends pas. C'est quoi le problème? Quel est le problème? Toi, tu allais pour faire des rapports avec quelqu'un. Il a fini. Toi, ton travail là, c'est filmé. Tu avais quoi derrière la tête? C'était prémédité. Cette dernière-là savait ce qu'elle faisait. Elle était prête. Elle dit que lui, là, on va finir, il va le filmer. Qu'on va vous attraper pour vous mettre en. Ça dit au nouf là-bas. Pour vous enfermer. C'est pour dire que non. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais quand vous commencez là, vous oubliez que vous.
vous frustrez quelqu'un comme ça. Sa famille. Hein? Carole m'amène Jupono. Les filles ne connaissent pas l'anatomie d'un homme. Quand un homme en vit, son kiki est debout. Dès que c'est fini, le kiki retombe. Apprends à connaître l'anatomie d'un homme, les filles. Mais c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Ma Juju a dit ça. Je dis, c'est pour ça qu'on est Juju. C'est pour ça qu'on est Juju. On les appelle les braqueuses sexuelles. Ah, c'est qui? On les appelle les braqueuses sexuelles. C'est pour ça les Juju. Ben, tu ne peux pas te permettre. Souvent même, tu arrêtais de demander la personne. Ça fait comme ça. Ça fait comme ça. Ben, il n'a pas trop envie. Toi-même, faut te poser la question. Il n'a pas trop envie, tu ne comprends pas. Ça monte comme ça. Ben, toi-même, tu ne l'attires pas. Toi-même, tu n'as pas envie. Toi-même, tu as arrêté de faut te poser la question. Comment ça se fait que tu es devenu un homme et puis le kiki fait comme ça? Sur moi, ça monte, ça descend. C'est quand ça l'attire pas. Sinon, quelqu'un. Un woody de woody. Un garçon de ce garçon. Quand il est fantasialo de toi, quand il est amoureux de toi, dès qu'il te voit, le kiki au paroxysme, le kiki arrêté comme ça, gaillard comme ça, tendu, les nerfs sont tendus comme ça. Ben, il est prêt même. Il y a déjà la gola. Il y a la main bien. Et bien, que toi-même, tu ne l'as pas. Depuis quand même, ça veut dire qu'un vrai Woody là, mais il a vu que, oh, ma chérie, il faut te poser des questions. Sinon, où le gars était couché là, puis tu as filmé là, normalement là, quand il est couché comme ça, qu'il pense à ce que tu as fait à lui là, ça respire comme ça, il est couché, puis ça respire, fou, ça respire comme ça. Ben, il dort même, il voit que tu l'as envoyé au septième ciel. Toi-même, c'est pas, tu n'as rien fait même, que c'est parce que le gars même est tombé même, et puis il dort même, et puis Kiki même a béou, disparu. Parce que Kiki qui a bien travaillé, quand il dort, quand il voit la scène qui a travaillé là, il est couché, puis ça respire comme ça, ça respire comme ça, malgré dans son sommeil. Ben, il sait que tu as bien fait, il sait que tu as travaillé, il sait que tu as travaillé les trucs. Donc il est couché, mais puis ça respire, dans son sommeil, là, il dort, hein, mais le kiki fait comme ça, il n'a pas encore fini. Ben, il n'a pas encore fini, il respire comme ça, toi-même tu as commencé à dire, aïe, mais c'est quoi? Toi tu dors, tu respires encore. Ou bien ce que tu as fait là, ce n'est pas assez. Tu dors, tu as sommeil, mais le il respire. Ben, il sait qu'il vient de faire un bon travail. Toi, on finit de te toucher. Et puis on s'en va dormir. Et puis Kiki disparaît. Kiki même dit, oh, je ne veux plus. Je ne veux plus encore. Faut même plus essayer. Faut même plus essayer. Kiki est rentré comme ça, brou. Et puis tu es là, tu filmes, tu n'as pas honte. Ma copine, si elle était à ta place, je ne vais pas filmer tout ça là. Si j'étais à ta place, je n'allais jamais filmer le Kiki ça là. Parce que moi-même, j'ai dit, même, je suis incapable. Je suis dans l'incapacité de satisfaire ce monsieur jusqu'à après d'avoir fini le kiki disparaît. C'est que je ne suis pas une femme. Tu devrais te poser des questions. Parce qu'en temps normal, un kiki que tu viens de bien travailler, même dans son sommeil, il respire. Même dans son sommeil, le kiki respire. Ça dit que le monsieur dort profondément, mais le kiki a fait vous passez. Elle nous a honni. La fille là vient de nous honni. La fille là vient de verser notre visage par terre. Tout le travail que nous avons abattu, le travail que Dieu nous a donné, la force de faire respirer le kiki, la force que Dieu nous a donné, ça dit que le kiki même dans le sommeil il respire. Ouf. Toi-même, tu l'as dit, ah, vous voyez les gars, quoi? C'est quoi? C'est quoi? Tu aimes déjà ou bien? C'est quoi? C'est 10 coups, mais c'est quoi? C'est quoi? Tu aimes déjà ou bien? C'est pas le kiki même s'est reconnu là-bas. Remarquez, un homme qui finit son travail, il a fini son travail, puis il tourne dos. C'est que le kiki même, tu l'as pas envoyé. Parce que un kiki qui a bien fait le travail. Quand il tourne dos comme ça, même dans son sommeil, il ne peut pas dormir, il tourne sur lui. Il te dit non, il laisse encore, il doit revenir. Mais si tu fais que il tourne comme ça, et puis il dit, oh, c'est que. Oh. Tu vois. Tu peux énerver les gens ici. Pas filmer enfin les gens, mon diable. Tu filmes enfant déjà. Comment il a appétit, Kiki? Il a appétit. Comment toi tu as pu travailler pour ne pas sortir ce truc-là dans son ventre? Ben tout ça, ça sert dans le bas-ventre. Ça dépend de l'envie.
Ça dépend de la manière. Ça dépend de comment tu dois utiliser. Toi, il sort entièrement. Il sort entièrement pour venir te régler ton cas. Elle n'a pas appuyé les tests à croire pour que ça puisse bien sortir. Elle vient filmer pour déposer ici, pour venir distraire les gens qui l'ont petit kiki. Un joli garçon, on va pas avoir petit kiki. Il la défend bien. Un joli garçon. Garçon de garçon. Quand il a arrêté, il m'a dit, oui, voilà le gars qu'il veut. Un bel homme. Un joli de ce joli. T'as venu nous distraire que lui, il a petit kiki. Il peut jamais avoir petit kiki. C'est toi qui as fait que c'est petit. C'est toi qui as fait que c'est petit. Il peut jamais avoir petit. C'est la manière que tu utilises là qui fait que ça ne sort pas. Ça veut dire que les hommes que vous voyez là, il peut avoir 10 goûts. Hein. Il peut avoir beaucoup de. Mais il y a une là que le kiki respecte. Mettez laquelle. Tabita, Tabita. S'il dort, c'est normal que ça dort aussi. Mais c'est ce que je dis. Richard Aka, merci Francis. Bah, Aka, c'est comme ça, loup, merci. Mais c'est la vérité, elle dit Richard Aka. C'est la vérité, je te le dis. Le monsieur dort, il a travaillé. Quelqu'un qui dort, Kiki doit rester, Kiki va faire chose. Si Kiki ne reste pas quand il dort, c'est que toi-même tu n'as pas fait un bon boulot. C'est que toi-même tu n'as pas fait un bon boulot. Et puis le Kiki, c'est un nerf, il se fatigue. C'est un nerf qui se fatigue. C'est un nerf qui a besoin de repos. C'est un nerf qui doit se reposer. C'est ça qui est le vrai point. Laissez l'enfant des gens. Oui. Vous fatiguez les gens. Venez boire à côté. Venez boire à 4h du matin. Venez boire des médicaments. Vous faites les hommes là boire. Ils s'en vont boire des médicaments. Ils boivent des médicaments. Ils boivent des médicaments. Déjà, c'est toi-même qui appuie. C'est toi-même qui a route. C'est toi-même qui a boulevard. C'est toi-même, c'est waouh, chez toi là-bas. Faut serrer aussi pour toi aussi. Il y a un dit ça, oh, ah. Ah. Monsieur Richard Aka, vous me rejoignez. Monsieur Richard Aka, vous me rejoignez. J'ai dit pourquoi il n'a pas filmé quand c'était debout. Il a dit ça. J'ai dit ça. Et il fallait qu'elle filme quand le troisième pied est en train de se réveiller. Il fallait qu'elle filme parce que le troisième pied, il a la manière de se réveiller. Il se réveille à ralenti. Oh. Ne faites pas y parler ici. Hein. Ne faites pas y parler. Hein. Le troisième pied se réveille à ralenti. Le troisième pied, c'est quelqu'un qui ne se réveille pas brou. C'est quelqu'un qui ne se réveille pas brusquement. C'est quelqu'un qui ne se réveille pas. On ne traumatise pas le troisième pied. Le troisième pied, on le laisse se réveiller d'une tension. C'est-à-dire, on dirait un volcan. Oh, vous avez fait, la madre va parler. Je n'ai pas envie de parler. Ma fille a une révélation. Ils veulent que je parle ce matin. Ils veulent que je parle ce matin. Et je n'ai pas envie de parler, mais je suis en train de parler. Le troisième pied se réveille. Vous voyez qu'un avion. Est-ce que l'avion décolle? L'avion ne décolle pas. L'avion ne décolle pas brusquement. Le troisième pied, c'est comme un avion. Le troisième pied. Van de Toulouse dit que la madre est en train de crier sur nous. La madre, ce live, il est interdit au moins de 18 ans. Oui, sur ma page. Sur ma page même, j'ai déjà mis moins de 18 ans. Donc, si un 18 ans vient ici, c'est que c'est sa maman qui lui a dit d'écouter. On dirait des vagues. Non, il va m'énerver. Hein. Faut pas qu'il va m'énerver. Hein? Vous avez vu l'avion. L'avion décolle en ralenti. L'avion. Après, viou. C'est là le troisième pied. Il est arrivé. Toi, quand le troisième pied est en train de décoller un peu, il fallait nous filmer ça dans les voies. Tu as vu toi seul. Toi seul, tu as assis là-bas, tu as regardé le troisième pied. Quand le troisième pied a commencé à se faire, il fallait filmer. Il fallait filmer nous tous dans les voies. Ou bien, toi seul, tu as regardé. Tu as regardé toi seul. Tu as apprécié seul là-bas. Maintenant, où il dort, maintenant, tu nous envoies. On fait quoi ça? On fait quoi? Troisième pied dormant. Mon cher, il m'a préparé. Aujourd'hui, la ruine est meilleure placali. Ça fait 2 jours. Donc, André, chose, démarrage d'avion, doucement. Elle a filmé ça. Pourquoi elle filme ça? Et puis, quand c'est fini, et puis elle filme Jean, elle a fini de se mettre bien. Elle s'est mis bien. Et puis, elle donne le reste où le troisième pied dort. C'est ça, elle filme pour nous montrer qu'il a appétit pour ne pas qu'on ait qu'à chercher le. En fait,
Elle fait de telle sorte qu'elle doit rester seule là-bas. Monsieur, chassez-la. Chassez-la. Parce que beaucoup de femmes vont aller voir si vraiment c'est Kikinette, c'est foutaise. Je suis sûr que ce n'est pas Kikinette. Elle voulait. Parce que tout ce qui s'est passé, c'est tellement intéressant qu'elle veut garder ça pour elle seule. Et puis elle filme. Mais elle a mal fait. Parce que les femmes sont curieuses, elles vont aller voir ce que tu as dit là, elles vont aller voir si c'est vrai. C'est ça que ça. Quand tu as fini, quand il s'est levé, tu as gardé ça pour toi, toi tu as vu. Tu as fini et puis c'est où maintenant, c'est, ça dort là, tu filmes pour venir dire que non. On, nous aussi on est quand regarder. Nous on regarde, c'est toi qui n'as pas fait ton travail. C'est elle qui n'a pas fait son beau travail. Laissez enfin les gens, hein. Laissez les hommes, hein. Les hommes sont trop fatigués. Les hommes là sont trop fatigués. Je sais que tous les hommes ne sont pas parfaits, ça je reconnais. Et les femmes aussi ne sont pas parfaites, je reconnais. Mais quand un homme, sa nudité reste, vient sur les réseaux sociaux, on doit dire non à cela. J'espère que ce n'est pas un buzz. On doit dire non à la nudité utilisée le troisième pied. Si elle était tombée exactement, c'est un troisième pied sauvage. Un troisième pied bête, elle allait ressortir ici pour dire non que on m'a fait comme ça, oh, on m'a brutalisé, oh, on est rentré ici. Oh. C'est parce que même là, elle a eu un troisième pied gentil, un troisième pied tranquille, un troisième pied qui ne veut pas lui donner les maladies, un troisième pied qui la protège, un troisième pied même qui a bien retenu son corps. C'est pour ça qu'elle est venue me parler. Tu as raison, frère. Ça seulement tu as raison, Richard. Il y a les hommes, il y a les femmes, elles n'aiment pas. Quand tu prends soin d'elle, elles aiment pas. Elles aiment tout ce qui est la brutalité bête, là, c'est ça, elle aime. Arrêtez d'exposer les hommes. Un homme qui déconne, on viendra s'asseoir pour lui dire que son vrai nom. Vous me connaissez. Vous connaissez que, affaire d'homme, là, je ne rigole pas là-dedans. Vous me connaissez. Vous connaissez que quand un homme déconne, là, je viens dire son vrai nom. Je ne les loupe pas. Je ne loupe pas les hommes. Mais quand il y a la vérité, on est qu'à dire, ma chérie, tu as déconné. Tu as zaé, tu as chié dans la colle. Oui, oui, oui. On doit t'attraper, te cirer même. Nous, les femmes sincères, les femmes honnêtes, là, on doit te dabar même. On doit te dire que tu ne dois plus faire ça. Jamais. Tu ne dois pas exposer un homme. Nous, là, on doit te faire ça. Et les vraies femmes doivent t'engueuler. Oui, oui. Les vraies femmes doivent t'engueuler même. Parce que tu n'es pas gentil, tu n'es pas normal. Si on filme ton papa pour mettre ça sur les réseaux, là, tu as accepté. Ok. Les commentaires sont bloqués. Bon, mes Amazon et mes guerriers, bon, je vais couper et puis continuer. On va dire un live après, voilà, tranquillement. Je ne suis pas trop fatigué. Mais je vais poser une question à ces personnes-là qui viennent aussi mes commentaires pour dire que je fais du coq à l'âne qui n'a rien à voir. Vous qui venez insulter moi mes narines, est-ce que j'ai prêté votre nez pour respirer? Vous qui venez, vous, surtout les hommes là, il y a certains hommes qui viennent, il y en a beaucoup, hein. C'est aujourd'hui même j'ai posté, hein. Il y a beaucoup, vous les hommes là, ou bien vous êtes jaloux, ou bien quand vous me regardez là, vous êtes là même, vous êtes jaloux. C'est pas de mon nez que c'est la jalousie. Mon frère, je n'ai pas demandé tes narines pour respirer, ou bien je n'ai pas demandé tes narines pour être sur mon visage. De quoi parle t'es même? Moi-même, mon nez. J'ai dit que je ne fais pas chirurgie. Moi-même, mon corps, j'ai dit que je ne fais pas chirurgie. Moi-même, mon être, j'ai dit que je vais être comme ça. Ce matin, je me suis présenté à vous. Allez-y sur ma page. Allez-y sur ma page. Je me lève le matin, je suis à l'aise. Je ne suis pas là pour aller faire comment on appelle, les photos bizarres, où ton visage devient mince, ton nez devient petit, tout devient petit sur toi, ton corps est taillé. Je ne fais pas ça, je me montre comme je suis. Photo même des snaps, même c'est rare même que je fais photo des snaps. C'est mon yéré qui est là. Le plat, c'est notre combat. On s'en fout de ça. Allez-y refaire votre nez. Allez-y vous charcuter. Allez-y diminuer vos ventes. Allez-y vous couper. Youssouf, voilà, Sangaré. Ah, voilà. Même les hommes, tu es authentique et très belle. Mais oui. Hey. Allez-y vous charcuter le corps. Allez-y vous faire nyangami. Mon Toubabou, ma fille, comme je suis en train de partir, tu arrives. Je suis en train de partir, tu arrives. Mon Toubabou, sex love. C'est ça, non? Sex. Sex love. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Mon Toubabou, sex love. Mon Toubabou. Ah, mon Toubabou, on est fiers de notre nez. Aïe! Tu
là son nez, moi-même mon nez, le nom de le nez du père, le nez de mon papa, moi-même. Vous savez quoi? C'est grâce au nez qu'il a reconnu que c'est son, voilà, son enfant. C'est le nez là qu'elle a vu, ça c'est mon enfant. D'aller prendre un nez pointu, un nez du voisin pointu long, et puis il va venir discuter à la vieille pour dire que bon, ce nez là sans nous. Ben, tous mes enfants ont ce même nez. Pourquoi mon enfant, tu dis c'est mon enfant, puis son nez, lui-même quand il a vu, ça n'a pas cherché de faire test ADN. Quand il a vu le nez là, il n'y a pas de test ADN. Nez là, c'est test ADN. Tous ses enfants nés. Donc, il n'y a qu'à aller prendre le pointu de quelqu'un. Et puis, on va s'asseoir ici. Et puis, la vieille va avoir problème ici. Elle ressemble au grand-père qui est mort depuis 1000 ans. Je n'ai pas besoin de ressembler au grand-père. Je suis obligé de ressembler à lui qui a mis la graine. C'est le vrai point. Pourquoi il y a un nez qui ressemble à... Non, tu ressembles à ma tante. Le nez, mais ça, c'est là. Et ma cousine, là. L'enfant de l'arrière-tante de ma tante, là. C'est ça. Et tu as pris son visage. Hein? Elle ressemble à ma cousine. Quoi, si tu respires, c'est l'essentiel. Il respire même. Si tu as couru de moi, mais il a respiré tout l'air là pour te dépasser. Quoi, si tu respires, c'est l'essentiel. Monsieur Richard Haka. Quoi, si tu respires, il respire. Et même si je respire. On t'envoie ton enfant, Némès. On dit, mais ah, l'enfant, non, hein. Bébé la ressemble à l'arrière-cousine de ma grand-mère. Qui est morte depuis 1900, tu vois là, c'est le visage qu'elle a pris. Déjà, on va bien regarder, c'est le visage du voisin. Laissez chacun et moi le nez. Quand le vieux a vu ça, c'est mon enfant. Il n'y a pas eu de discours, il n'y a pas eu de test, il n'y a rien. Il a reconnu. Le nez, mess, on ne sait pas où vous partez prendre, et puis après, ça devient un discours là. Mon nom, nez plat mon combat. Nez coupé mon combat. Nez ouvert mon combat. Bon, c'était juste. C'était juste une parenthèse, hein. Je viens de me réveiller, après on va s'attraper. Maman, et affaire d'observateur là, c'est comment? Eh, ma fille, affaire d'observateur là, je veux. Toi, avant, mon nez est plat. Vous allez m'attacher ici. Que la mère, regardez, oh, son enfant, et puis son maintenant. Si la mère commence à devenir vent, c'est parce qu'on vieillit. Vous savez que le corps humain voilà, se transforme. Donc, dans la vieillissance, on voit que ton visage, tes yeux qui étaient en amande, c'est-à-dire en amande bien, commencent à avoir des paupières tombantes. Toi-même, tu te regardes, tu te dis, mais yaï, tu t'en vas. La transformation physique et physiologique de l'être humain, je l'accepte. Moi, je suis qui pour ne pas accepter la transformation physique et physiologique que Dieu a prévue dans mon corps. Pourquoi je puisse défier la défiance. Oh, mon vieil, me blesser. La défiance de Dieu. Dieu dit qu'au fur et à mesure que tu vieillis, ton corps se transforme. J'accepte. Ne crois pas le test, c'est moi qui me suis créé, jamais. Bon, bref, c'était là. Monsieur Richard a dit que j'ai mon ami, si tu regardes dans ses narines, tu vois son cerveau, mais c'est lui qui a les belles côtes. Je vous. Ok, mon tout babou, on s'attrape. Ok, bisous, bisous. Ciao, ciao. Il m'a fini.